Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et dans cette vidéo je vais vous montrer et je vais agir. Enfin, on va voir ensemble comment romantiser sa vie. Donc qu'est-ce que ça veut dire romantiser sa vie, romantiser ses études, bref, comment romantiser sa vie, comment faire que sa vie soit plus romantisée. Donc là je vous sors la définition que j'ai mis, que j'ai trouvée sur Google. J'ai marqué que signifie romantiser sa vie. Romantiser sa vie, c'est donner un caractère romantique, idéaliser quelque chose. Romantiser par exemple son temps de travail, genre ses révisions par exemple. Et il y en a une autre qui dit finalement, romantiser sa vie, c'est essayer de trouver la joie dans les simplicités du quotidien. Ce n'est pas se laisser avoir par l'indifférence ambiante. Et surtout, c'est tomber amoureux de la vie encore et encore. J'aime beaucoup. C'est très vrai. Et c'est ça que ça veut dire romantiser sa vie. Je trouve que cette définition, elle est archi claire. Je vais vous la mettre à l'écran. Vous prenez un truc au quotidien que vous faites, vous essayez de le voir d'une autre manière. Genre, c'est peut-être une tâche pénible pour vous. Bah, essayez de prendre du recul et de vous dire... Ah, je suis quand même reconnaissante de pouvoir faire ça dans ma vie, donc je vais le voir d'une autre manière. Genre, moi j'ai cette vie là et je suis reconnaissante de pouvoir faire les études que j'aime, même si des fois le matin quand je me lève j'ai pas envie d'aller en cours, je me dis j'ai de la chance de pouvoir aller à l'école, de pouvoir étudier. Donc même si je fais une heure de trajet matin et soir, voire même voir plus d'une heure de trajet pour les transports, j'ai de la chance de faire des études, j'ai de la chance de pouvoir étudier, j'ai de la chance de pouvoir faire les études en plus que j'aime, donc c'est encore mieux. Donc c'est vraiment prendre ces petits trucs là du quotidien et de se dire ok, j'ai de la chance d'avoir ça, j'ai de la chance de pouvoir faire ci, j'ai la main qui n'ont pas cette chance là, qui n'ont pas à manger, ils n'ont pas de toit et tout, enfin genre juste ça en fait. Enfin voilà. Du coup romantiser sa vie, c'est faire toutes ces petites choses d'un autre angle de vue, genre toutes ces petites choses qui peuvent être dans un quotidien agaçant entre guillemets, et ben vous les prenez d'un autre point de vue et vous vous dites non, j'ai vraiment de la chance de pouvoir faire ça. Et bah du coup je vais le faire, je vais aimer ce que je vais faire. Prendre du temps pour aimer la vie et l'apprécier. Genre je vous mets volet, il fait beau, il y a du ciel bleu. Enfin voilà quoi, romantiser sa vie. Vous faites comme si vous étiez dans un petit film et tout, avec les petits bruits des oiseaux et tout ça, bref. Du coup voilà, c'est ça, romantiser sa vie en fait. Vraiment prendre le temps d'apprécier chaque petite seconde de notre vie. Et être reconnaissant de ce qu'on a en fait. Voilà. Et du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Moi le jeudi... c'est vraiment le seul jour où j'ai une journée libre où je suis pas obligée de penser à l'école ni de penser au travail parce que sinon je travaille non-stop. Donc du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec ce jeudi, on va romantiser ma petite journée. Donc voilà. Pour bien commencer ma journée, ce que je fais en premier c'est ouvrir mes volets, laisser rentrer la lumière pour aérer ma chambre. Ça fait tellement du bien, je vous assure, c'est trop bien. Ensuite je prends des céréales, une banane, je me pose devant mon ordi. Et tranquillou, je regarde une petite vidéo, surtout elle me motive tellement. Et voilà, tout doucement, on commence la journée. Ensuite, je vais inclure un masque dans ma skincare routine pour prendre soin de ma peau. So skincare moment. C'est ça que je Et alors là, c'est la cata, le masque il était horrible, j'arrivais pas à le mettre, il faisait que glisser et tout, c'était vraiment une catastrophe en fait. Donc du coup au final vous allez voir, j'ai abandonné parce qu'en fait il tenait pas sur mon visage, j'étais obligée de laisser ma tête en arrière. J'ai mis 50 ans à essayer de le mettre mais non. En attendant que le masque, enfin genre j'ai mis le liquide du masque genre sur mon visage, je le laisse poser parce que vraiment c'était, ça glissait, ça tombait pas, les trucs pour les yeux ils étaient tout petits, enfin, vous avez vu, c'était une catastrophe. Du coup en attendant je vais lire mon petit livre que j'ai acheté à la Fnac avec mon passe culture, il me reste encore un peu dessus, du coup bah je vais le prendre. Et genre c'est le livre que tout le monde parle, vous voyez, genre sur TikTok, même genre aux États-Unis, genre c'est le livre que tout le monde parle, genre sur TikTok et tout, genre de Colleen Hoover, et genre en mode c'est un truc, une romance je crois, et on va voir ce que ça donne. Donc apparemment il est bien et tout, donc du coup on va voir ce que ça donne et
Voilà, en plus c'est un petit livre, genre c'est vite fait. Donc bon, comme je dis plutôt à lire plus, let's go lire plus. Maintenant je suis coiffée à peu près, voilà, j'essaie de faire des trucs avec mes cheveux parce que mes cheveux bouclés ils sont encore bien, mes boucles sont encore bien, mais les devants c'est pas très bien donc je les attache à moitié et tout ça, bref. Du coup bah là je vais me maquiller, on va essayer de faire un petit make-up cute and voilà. Bon, je vais pas vous montrer parce que je pense que je vais vous faire une vidéo où je vais faire une vidéo spécialement où je fais mon maquillage. Je vais faire une vidéo clean girl, make-up look et tout. Donc du coup, voilà, j'ai fini de me maquiller. Oh, je vais aller me préparer à manger, manger et après je reviens vers vous. Là j'ai fini de manger et je vais tester quelque chose. Donc là en fait je vais aller dans un Starbucks et... essayer d'aller travailler là-bas. Donc c'est très cliché, ça s'appelle vraiment vivre pour les caméras. Mais en fait je me dis genre il y a vraiment des gens qui vont au Starbucks et qui travaillent là-bas et je veux voir si moi genre je vais réussir genre à aller dans un Starbucks et genre réviser. Donc vraiment en mode Parisian life et tout. Donc, on a vu qu'il y en avait un qui avait ouvert pas très loin de chez moi. Donc du coup je vais aller là-bas et essayer de travailler, enfin au lieu d'être chez moi, genre de profiter que j'ai un Starbucks pas loin et on va voir si je suis capable de réviser dans un Starbucks autre que dans ma chambre. Je sais qu'il y en a par exemple qui ils aiment pas travailler de chez eux et préfèrent aller dans une bibliothèque. Donc ils vont dans une bibliothèque. Moi je sais que ça me dérange pas de travailler de chez moi. Certes je peux parfois être distraite mais ça va. Du coup bah là je vais en profiter pour aller essayer de travailler dans le petit Starbucks et on va voir ce que ça donne, on va voir si ça... Si ça marche, donc je vais vraiment faire le truc cliché esthétique, comme je vais prendre une petite boisson, un petit truc à manger. Et après je vais sortir mon petit Mac et tout. Et travailler en mode esthétique girl et tout. Du coup on va essayer ça. Après peut-être que j'irai faire un petit tour dans les magasins et tout ça. Donc voilà. Clairement c'est ça, ma petite journée, romantiser ma vie. Vous voyez là je sais pas si je mets mon écharpe ou pas parce que je sais que dehors il fait froid, mais c'est la température. Bon il fait froid, je vais mettre mon écharpe parce qu'après je vais pleurer parce que je suis encore remis. Donc on va mettre la petite écharpe. Mais ça va pas trop avec en ce moment. Si je laisse mes cheveux rentrer dedans comme ça. Moi je pense que je vais faire comme ça. Bonjour, je vais vous prendre un frappuccino caramel sur place sans café, s'il vous plaît. Quelle taille ? Petit. Petit avec ça ? Et je vais prendre un cookie chocolat blanc macadamia, s'il vous plaît. Ce sera tout ? Oui, ce sera tout. Pour un prénom, s'il vous plaît. Lysia. Lysia ? Oui, L-I-S-I-A. Avec deux I ? Oui, deux I. Oui. Rentrer chez moi, franchement le Starbucks c'était cool, j'étais pas trop à l'aise parce qu'il y avait des gens en fait, vraiment introverti bilike, vraiment moi j'aime pas quand il y a des gens, mais bon après ça va, c'était cool mais pas tout le temps, genre je comprends pas comment j'ai fait pour faire tout le temps ça, d'accord,
Mais franchement, c'était quand même cool. Genre, c'était cool, mais genre pas à faire tout le temps. Genre, juste de temps en temps, mais pas tout le temps. Et update sur le frappuccino. J'aime bien. Mais c'est à la fin, c'est écœurant. En plus, il demandait un petit verre, il m'a donné un big verre. Et par contre, le cookie, il était incroyable. Mais pareil, genre, petite dose, genre. Parce qu'après, je trouve ça écœurant. Mais c'était bon. Et j'ai apprécié ce petit moment. Après, je suis allée dans les magasins, mais j'ai rien trouvé de ouf. Donc, bon, voilà. Alors là, j'ai terminé ma petite douche. Là, je vais mettre un sérum pour les cils que j'ai acheté à Sephora. C'est ça, Grande Lashes. Et c'est censé faire pousser vos cils. C'est un traitement de 3 mois. Et ensuite, j'ai un traitement de 8 semaines, je crois, un truc comme ça. Du coup, bah, je mets ça. On va voir ce que ça donne. Ça va faire 2 semaines que j'ai commencé. Pour l'instant, je vois pas vraiment. For me, the message says life is really like take a step back and look at your life and like be grateful. Like really, like you need to take time to focus on what you have and say that, oh my god, I have that. It's great. Like I don't know how to explain this, but pourquoi je parle en anglais? Je sais pas. Parce que je regarde une vidéo en anglais en fait. C'est pour ça. Productive days in my life. I love watching that. So I'm doing it. Nous qui vivons en France ou dans des pays avec des bonnes conditions, qu'on a quand même des bonnes conditions de vie, etc. Je trouve que c'est, enfin, c'est une grâce en fait. On a tellement de la chance et on devrait apprécier cette chance qu'on a et la vivre genre pleinement. Je sais pas comment expliquer, mais vous avez capté, je pense. Je dis sur ça parce que en ce moment, genre, bah. On grave les trucs, la guerre, Ukraine, Russie et tout. Et quand je vois les infos, je me dis, mais ils continuent à vivre alors qu'ils se font bombarder. Enfin, c'est un truc de ouf. Et nous, on vit notre petite vie là, on est toujours à se plaindre et tout, alors que on s'est pas bombardé en fait. Donc, bon. Ce serait bien de profiter. Je me dis, il y a des gens, ils donneraient je sais pas combien pour cette vie qu'on a. Et nous, on se plaint et tout. Du coup, bah, moi, je pense qu'on devait, on devrait apprécier ce qu'on a. Alors, c'est clairement une chance en fait de vivre dans un pays comme la France. Et bah, on est bien quoi, genre ça va. Crash test. C'est fourré. Ah non. Ouais, je pensais que c'était fourré. Mmh. Bon, mon truc il a l'air tellement nul. Mais c'est fourré. Mais c'est vrai que putain, mais. Genre, ouais, je sais pas ça. Non. Goûte. On va goûter. Par contre, le chocolat, c'est pas du Nutella. C'est quoi? Ah, j'aime pas quand c'est du chocolat fait maison, genre. Mais c'est bon. Mmh. Par contre, ça goûte pas très bon. Là, c'est bon. Mmh. C'est pas la gaufre du coin, là. Ouais. La viande produit. Ouais. C'est bien moelleux, hein. Incroyable. Ouais. Miam. Vraiment c'est bizarre. Hein. T'as pris quoi du coup? Chocolat blanc, mm-hmm. Caramel beurre salé et spéculoos. Ça doit être très bon aussi. Ah c'est archi bon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Et puis on se retrouve la prochaine fois.